That's more like it. Now, how about one of those epic logos? That's the stuff. See, when two adversaries set aside their petty squabbles, they can... Never mess with the animators. Salut YouTube. Rien ne marche comme il faut. Nous sommes sur Twitch. Le lien est dans la description. Mais rien ne marche. Voilà. Merci à tous. Nous allons donc continuer. On était sur la planète Char. On avait fait le premier défi de terreur. Et là maintenant c'est parti. Les PTSD. Le permis de tuer. Où on va prendre le contrôle du Rodator. Et défoncer un maximum de cibles pour faire un maximum de points et remporter le défi. Sachant qu'on l'a déjà fait avant, mais on s'est foiré. Il faut faire 25 000 points. On a fait 22 000, je sais pas combien. Bref, au secours run. Avant ça, il y a une cinématique que tu as loupée. Je lance le timer. Est-ce que le timer s'affiche bien chez vous sur Twitch? Alors, juste deux secondes. Je vais remontrer la cinématique le temps que les gens me répondent. Cinématique. Thanks. Tous les enfants de la galaxie savent que porter le bon pyjama peut leur donner des super pouvoirs. Je suis Gamatron, mes yeux tirent des rayons laser. Je suis Reactor, je mange du métal. Je suis Batalok et je vole. J'adore ce passage. Monsieur, les derniers résultats des ventes sont là. Ouais, et quel est le bilan? Personne n'achète la nouvelle gamme de produits S Hardlight. En fait, les ventes sont en baisse dans l'ensemble, sauf pour les oreilles velues de Lombax. On vend ça? Oui, monsieur, c'est un accessoire vendu dans le kit des mini-armes d'assaut. Bon, tu as apparemment commis une erreur stupide. Au niveau B pour la désintégration. Oui, monsieur. Attends! Monsieur? En y allant, on demande au labo de préparer un test d'intérêt. Il faut trouver pourquoi ces gadgets ne se vendent pas. Je m'en occupe, monsieur. Voilà. C'est la cinématique que vous avez loupée. Et maintenant, le défi de Seymour. Maintenant, place au chaos total. Donc ce n'est pas moi qui dirige, ça se dirige tout seul. Il faut détruire un maximum de cibles. En sachant qu'il faut voilà, atteindre les 25 000 points. Donc que ce soit avec des ennemis ou pas. Oh putain, celui-là je l'avais pas vu tout à l'heure, cette orbe-là. On va peut-être réussir. Donc on avait fait un défi similaire sur je sais plus quelle planète. Il faut vérifier partout qu'il n'y ait pas de, voilà, de doré, de rouge, de tout ce qu'il faut. Vous avez déjà vu le diable au clair de lune? Moi oui, c'est fabuleux. J'espère qu'on va réussir du premier coup, ce serait bien. Tant de jackpot. Je ne sais pas pourquoi j'ai le temps de jackpot, mais je l'ai. Je ne l'ai plus. 14 700. Bon, j'espère que ça va bien sur le stream, hein. Que tout marche bien, qu'on m'entend bien, que le son du jeu est bien. Normalement tout devrait marcher. Je sais pas si on va réussir. On est à combien de 18 800? Oh c'est mort. Je crois que c'est Dedge. On a réussi à faire moins bien que la première fois. 20 600. Voilà, allez, le PTSD c'est parti. Pendant 4 heures nous allons faire ça. Let's go. Nous on essaiera 4 étoiles hein. Il n'y en a pas derrière. Alors je crois que défoncer les ennemis normalement ça fait gagner des points. Par l'horrible rectangle noir qui tombe. Bah ouais, mais normalement c'est pour la cam, mais
et le chat du coup, mais bon bah rip. Les amis, demain c'est la journée. Votez les fesses à votre meilleur ami. Popcorn gratuit pour tous les. T'avais quoi, on va essayer tout à l'heure de mettre la caméra téléphone. Ah, ça va être foiré. On va foirer le défi encore une fois. Oh, allez, qui veut bien tuer ce petit nabo? On va tester même si ça risque d'être dégueulasse. Mais au moins ce sera mieux fourni. Les boules magiques, les boules de lavage. Je pense que ça va être difficile hein, de faire 25 000. On avait presque réussi tout à l'heure en plus. Non voilà, défoncer les ennemis ça n'apporte rien. Donc c'est vraiment que les cibles. Non, on a fait encore moins bien. 17 400. Oh c'est à chier. C'est à chier des bulles. Attendez YouTube, je fais pause. Re-YouTube. J'ai mis la cam. La cam avec une synchro labiale dégueulasse. Mais du coup ce qui est bien c'est que comme je fais du montage derrière, je vais pouvoir le corriger. Ah oui, effectivement, il y a un pixel qui dépasse. Bon, je le réglerai après. Voilà, comme ça. Bon, les ennemis, on s'en fout, on est. En tout cas, bienvenue, Chiro. Comment vas-tu? Ah oui, par contre, j'espère que le chat ne reviendra pas. Que du coup, il va se mettre sur ma gueule. Ouais, ouais, tout dépasse, c'est mal fait. On va le refaire dans un instant. Bah écoute, ça va malgré les petites galères. Par contre, on risque de passer 55 ans sur ce défi de merde. Ça, je vous le dis tout de suite. Sinon, on le fait en 4 étoiles. Hein. Il faudra le faire un jour en 5. Hein. Je vois pas par quel miracle on peut arriver à faire 25 000. Oui, c'est arrivé là-bas. J'essaie de me concentrer au maximum pour éviter qu'on le refasse 12 000 fois ce niveau. Tant pis, on le refera en 4 étoiles. Hein. Il n'y en avait pas là-bas? Oh si, oh c'est dead. En principe, il faut pas compter sur la RNG. Bah non, parce que j'ai l'impression que c'est fixe en permanence. On va faire 20 900. En fait... Il n'y a pas de RNG, les cibles elles sont déjà prédéfinies dans le niveau. Faut juste trouver le bon routing pour arriver à faire 25 000. Et c'est ça qui est compliqué dans ce niveau là. C'est pas évident. Parce qu'en fait je ne dirige pas le véhicule, il se dirige tout seul. Là je dois juste utiliser le joystick droit pour viser et carré pour tirer. Alors plus je charge et plus il y a des missiles qui s'envoient. Les ennemis sont juste là pour distraire ma visée. Ouais, il y en a un derrière là. Pour ça faut connaître par cœur absolument où sont toutes les cibles. Et c'est ça qui est compliqué. Ah j'ai droit à 20 secondes de jackpot. Ah bah alors attendez, peut-être que ça va se faire. Une anecdote intéressante. Tout a commencé le jour où deux hommes se sont battus pour un burrito. Et Red Zone est né. En plus les commandes sont inversées, donc c'est ça qui est superbe avec ce jeu. Donc là faut détruire un maximum de cibles en fait en comptant le temps de jackpot. En fait là ça va peut-être le faire si on a beaucoup de chance. Alors peut-être. J'aime pas les commandes inversées. Il va falloir réinverser ça. Ah ben non, ça va pas ça. On va être à 23 100. À 24 000. Putain, à 1000 près. En fait, faut vraiment profiter du temps de jackpot. Non, c'est impossible. En vrai, ce jeu pourrait avoir un remake, mais bien sûr avec des meilleurs graphismes et de nouvelles mécaniques. Là, on est sur PS2. Le jeu est sorti en 2004.
Donc il va avoir 19 ans la semaine prochaine. Évidemment, quand on va passer à l'ère PS3, bon, bah, l'image sera plus belle. Là, on est vraiment résolution PS2. Hein. Let's go! Non, mais on va passer en mode 4 étoiles, je pense. Hein. La 5 étoiles pour ce défi, c'est compliqué si on n'a pas le routine. Et moi, bon, bah. Je suis un speedrunner. Moi, je connais pas où sont tous les trucs. En plus, la caméra est inversée, donc c'est ça qui est chiant. Enfin, j'ai l'impression que ma caméra est inversée, mais c'est peut-être mon cerveau qui est inversé. On ne peut plus arrêter l'équipe Darkstar. Mais ça, c'est le jeu de mon enfance, hein. Ah non, non, je dis de la merde, Ratchet Creator, c'est 2005. Autant pour moi, c'est Ratchet Clank 3 qui est sorti en 2004. Autant pour moi, c'est moi qui dis des bêtises. Y'a pas un autre... Là c'est la fin mais... C'est pas 25 000 hein. Oh 24 600 On est à 400 points. On est à 400 putain de points. J'ai envie de mourir. Mais c'est vrai que c'est avec le joystick droit qu'on dirige... Je trouve pas ça logique non plus. Étant donné qu'on dirige pas le véhicule, pourquoi mettre le joystick droit pour viser? Donc je défonce celle-là d'abord. Et après... Ah, je suis dégoûté pour 400 points, c'est terrible. Je vais me concentrer. Ah! Ace Hard Light aurait été largement meilleur. Ouais, c'est ça, ouais. Et quoi encore? 14 100. Non, mais je pense qu'il y a un timing sur lequel péter les orbes. Doré pour que ça passe bien. En plus, vous voyez que j'ai du mal à diriger. Pas ça méga pratique. T'es encore raté, hein. T'es encore raté. Oh là là. Il y a combien de temps qu'on est dessus? 7 minutes? Au secours. Échec du défi. Bizarre. Ne vous inquiétez pas. Tu aurais du mal, ou si tu souhaites t'entraîner encore un peu, tu peux régler le niveau de difficulté. Oui, à chaque fois que tu charges le jeu. T'inquiète, on va le faire. Je crois qu'on va le faire. Alors attends, faut défoncer le timer maintenant. Ah, FNAF, ça m'intéresse absolument pas. Je n'aime pas les jeux typés horreur, tout ça. C'est vraiment pas mon délire. Donc non, je suis pas intéressé. Du tout. Je sais que c'est plutôt renommé, mais... c'est vraiment pas mon délire, ce genre de jeu. Moi, je préfère vraiment les jeux d'aventure, chillax ou d'énigmes. Je suis bloqué par quoi, je sais pas, mais ça me fait gagner du temps, c'est bien. Par contre, j'ai fait ce qu'Antoine Daniel n'a pas fait, j'ai fait les Danganronpa. Alors, pas sur YouTube, mais je les ai fait de mon... Je les ai fait de mon côté. Oh! Alors, peut-être... 23 400.
Oh, par pitié que ça me donne 1600 là-bas. Et c'est banco. Attention, le suspense est entier, mesdames, messieurs. Binding of Isaac aussi, mais je suis nul. Oui, c'est gagné. Oui. Binding of Isaac, j'ai le jeu. Je pourrais le faire en stream, ouais. Mais je suis nul. J'ai 50 heures de jeu, mais je sais rien faire. Putain, my goodness. Oui, did it, read it, comme dirait Mister MB. Oh my god. Ça va, on a mis 10 minutes. En fait, faut que vous me parliez. C'est pas moi qui dois parler, c'est vous qui parlez à moi et qui me répond. Le défi suivant relève de la folie pure. Ah bon ? Voyons combien d'ennemis Ratchet peut détruire avant que le temps ne soit écoulé. Ça devrait le faire, ça. En général, je suis plutôt bon à ça. Oh là là. Donc voilà, ça c'est le vrai gameplay du jeu, pour ceux qui connaissent pas. Antoine Daniel qui serait en train de t'engueuler. Oui, bah oui, probablement. Ouais. Antoine Daniel qui serait en train de t'engueuler avec l'ongle rose, il est même gueule. Incroyable. Là j'ai vu qu'il allait avoir Speedon du 29 février au 3 mars à Lyon. Je pense que je vais y aller vu que ça tombe pendant les vacances scolaires. Pour voir si j'ai des places ou pas. Et je peux avoir des places. Il y a 50 secondes pour 85 et demi. Is ok, comme je veux dire. Mais en vrai, ouais, Isaac, ça m'intéresse depuis longtemps. J'avais découvert. J'étais MV. Il y a. Moult années. J'ai découvert MV en 2012. Non, 2013. Parce qu'il y avait l'AGDQ 2013. Et c'est la première fois que je regardais du speedrun. Et bah, il faisait le commentary sur. Enfin, c'était pas la JVTV. Mais. Non, spectateur. Ah non, je speedrun pas. J'aimerais bien un jour. Mais faudrait. Que je trouve un jeu que je puisse speedrunner. Bon, faut survivre à 8 manches. Messieurs, je vous demande d'applaudir. L'heure est venue de tuer ou d'être tué. Mario 64. C'est la manche de l'annihilateur. Ratchet va devoir. Non, faut trouver un jeu facile. De redoutables ennemis. Après, le truc, c'est que ça se voit sur quand je fais du Mario. Merde. Mario Wonder, je suis très mauvais. Donc bon. C'était ouvert à. J'aimerais juste savoir comment Ratchet fait à... à l'amélioration. Je tire qu'avec cette arme. J'ai quoi comme arme qui est pourrie là? Ouais, ça c'est bien hipou. Niveau 5, 6, 7, 3. Peut-être que l'objet terre-à-terre, on l'a pas du tout. On va faire avec ça. Attention, on évite le mob. Parce que, étant en difficulté 5 étoiles, ils vont nous faire très très mal. Donc, niveau 4. Bon, tout se passe bien, hein, j'ai envie de dire, avant dernière manche. Aïe! Oui, ils me font perdre 10 points de vie quand même. Hein. Je peux me faire toucher 4 fois. Avant de me faire démonter. Ce type devrait lancer sa propre ligne de vêtements de sport, de chaussures et même de barbecue anti-cholestérol. Vas-y, je vais faire la clé, je suis un dingo. Il arrive pas à me toucher, il est nul. Ah, j'ai rien dit. Merde. Oh merde. Ah, j'avoue, le boobs pour cent.
Si je me trompe pas, le boobs pourcent c'est dans Ratchet & Clank 1. Faut arriver à. À Kerwan et faire des backflips devant la meuf des overboards pour faire. Pour faire augmenter le volume de ses seins. Oui, Rilgar, pardon, Kerwan c'est autre chose. Ah non, mais y a un délire dans le premier. Faudrait que je rebranche la PS3 pour montrer. Mais effectivement, c'est pas long du début du jeu. Hein. Parce qu'en speedrun, ça va très vite, mais. En quoi? En lambda, j'ai mis quoi? 3-4 heures? Tu sais combien de temps j'ai mis? Il faut regarder sur YouTube. Ah, je joue pas à Smash non plus, alors là. J'ai beaucoup de tard, hein. Il y a. Smash, j'ai jamais trop accroché. J'ai le jeu, mais. Je fais n'importe quoi. Évidemment. Mes robots sont décédés. Tout va bien. On recommence. Putain, c'était tellement bien la première fois et j'ai voulu faire l'idiot. Non, 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 on refait pas la même erreur, ça suffit. Hein. C'est du calme. Bon, en tout cas, mes robots peuvent lancer leur attaque dévastatrice. Mais bon, on va pas le faire maintenant. Et n'oubliez pas de commander le jeu Dreadzone pour jouer entre amis. J'ai vraiment envie de savoir à quoi ressemble le jeu Dreadzone. Parce que j'ai envie de tuer des gens avec des armes. On va être pas ça le monde réel. Allez, encore 4 manches. On va le refaire avec l'oblitérateur là. On va augmenter un petit peu cette arme là. Ça bah, lui c'est bien. Putain. Bah, l'Elon Musk de ce jeu, on l'a vu, c'est l'espèce de requin qu'on a vu dans la cinématique au tout début. Ça s'appelle Gleeman Vox. En gros, l'histoire du jeu. Donc, ça se passe bien sûr chronologiquement après le 3. On a sauvé la galaxie de Solana, qui est la galaxie d'origine de Ratchet, du docteur Nefarious, qui va devenir à partir de maintenant un méchant emblématique de la série. Et en gros, on se fait. On est mis au courant par quelqu'un qui était dans le jeu précédent que un héros avait disparu. Et on vient d'apprendre qu'il a été tué parce qu'il participait au jeu auquel on joue actuellement, qui est Dreadzone. Et qui est en fait un jeu complètement illégal et immoral. Comme on peut le constater. Et Ratchet se fait enlever pour participer à ce jeu là. Et donc le responsable c'est Gleeman Vox, qu'on a vu dans la cinématique tout à l'heure. Et donc notre but c'est de nous libérer finalement. Chez Destruction Totale, ils ont une super mutuelle dentaire. Mais plus de munitions. Ah, pas du tout. Je trouve dommage que Nefarious soit devenu si important dans la série par rapport à Drake qui selon moi avait beaucoup plus de charisme. Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Moi je trouve que Drake c'était vraiment une sous-merde. Que Nefarious... C'est ma partie préférée. Il a de l'ambition. Vous savez, quand il meurt... Drake, je trouve pas qu'il avait une ambition fou. Alors certes, il voulait sauver son peuple. D'ailleurs, on reverra la planète d'origine des Blargs. Peut-être aujourd'hui. Mais... en soi... je trouve pas qu'il ait eu une ambition de fou. Ouais, on peut dire ça. Donc c'est pas vraiment des mini-jeux, c'est juste que des combats d'arène. En fait, ce jeu-là... Merde, j'ai n'importe quoi. Au niveau de la continuité des autres, il est vraiment à part. C'est-à-dire que les autres, il y a vraiment...
Une question entre guillemets d'exploration spatiale et tout. Avec vraiment des objectifs bien clairs et définis. Que Gladiator, c'est vraiment que quasiment que des combats d'arène. Chose qui était vraiment mineure dans la trilogie originale. Et c'est vraiment le seul jeu qui dénote un peu comme ça. Alors non, il y a Q-Force, mais qui est un Tower Defense. En gros, pour résumer de manière dégueulasse. Merde. Ouais, on va dire ça. Mais en fait, Ratchet, c'est pas... Enfin, à la base, c'est une trilogie, mais maintenant, il y a beaucoup de... Merde. Putain, mais pourquoi, la première fois, on a décidé de flex comme des bâtards, alors qu'on allait gagner? Bon, le lance-mine est extraordinaire. En fait, il est vraiment à part, genre, c'est... Il est aussi à part que mettre Spyro dans Skylanders. Voilà. Vous voulez une référence pourrie? Vous voulez une référence de merde? Je vais vous donner une référence... Enfin, une anecdote plutôt. Une anecdote de merde. Bon, certains le savent, je suis prof dans un lycée. Et en fait, comme je suis un geek, j'ai ma coque de téléphone, ma trousse ou... plein de trucs qui ont des éléments de jeux vidéo dessus. Et sur ma coque, c'est une coque Kino Shield, j'ai Spyro dessus, je peux vous la montrer d'ailleurs. Je sais pas où est mon téléphone, il est là. Attendez. Bon, je vous montrerai à la pause. Et en fait, c'est le Spyro original si vous voulez. Et il y a tous les élèves qui me font « Oh putain, mais c'est le dragon de Skylanders !» Et j'ai envie de mourir à chaque fois que j'entends ça. J'ai envie de mourir. Je vous montre. Ah, c'est Spyro quoi. Et j'ai envie de me tuer à chaque fois que j'entends ça. C'est comme quand on disait que Link c'est Zelda. Non, c'est... Oui, voilà. C'est le même délire. Je me fais toucher par des merdes en barquette. Putain, mais pourquoi on a décidé de flex? On aurait déjà dû passer à la planète suivante. Je me demande d'ailleurs si... Non, je sais plus ce qu'est la planète suivante. Je me souviens plus. La dernière fois que j'ai joué, il y a très longtemps. Mais ouais. Ça me fait mal au cœur à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est là où c'est terrible à dire, mais ce que j'ai, alors en règle générale, hein, il y a des exceptions, mais ils ont entre 15 et 17 ans, ça veut dire que ce sont des, pour les plus jeunes, c'est des 2008, pour les plus vieux, c'est des 2006, ils n'ont pas connu les Spyro originaux entre 98 et 2000, c'est pour ça qu'ils ont la ramasse. On n'a plus que 8 points de vie, c'est l'enfer. Bon, avant dernière manche, on va se calmer le cul. Putain. Non, mes élèves ne savent pas que je stream, que je fais des vidéos. Ils ne savent rien. Je leur dis pas. Non, je ne souhaite pas diminuer ce niveau de difficulté. Non, non, ils savent pas. En fait, je pense que ce serait pas une bonne chose. Il le sache. Parce qu'au vu des événements récents ou tout ça, en fait moi je suis pas là pour faire si vous voulez ami avec eux, j'ai pas envie qu'ils me enfin, vous imaginez un élève comme ça que j'ai, il sub à ma chaîne. Bah, en fait il me paye. il est pas censé me payer l'élève. Il est là pour suivre mes cours. Il est pas là pour Mais ce que je veux dire, en fait, ça me gênerait, je pense. C'est comme nous, on n'a pas le droit en tant que prof, si vous voulez, d'avoir un serveur Discord, de les ajouter sur Discord. On est obligé de passer par Pronote.
On peut pas se permettre de faire un... On peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Alors si un jour il découvre, bah écoute, j'ai envie de dire tant mieux. Mais en fait faut pas que ça me porte préjudice. C'est à dire que on sait comment sont les ados de nos jours. Ben j'ai pas envie d'avoir des retombées derrière. C'est un cadre différent, il peut être élève d'un côté abonné. Oui. Mais le truc c'est que après le moment où il me verra en cours, il y aura forcément des allusions derrière. Mais ce que je veux dire, je suis d'accord que c'est un cadre différent et qu'il faut séparer les deux. Mais en fait à partir du moment où il te reconnaît, bon ben voilà. Ça reste un réseau social. En soi, on a réussi. Voilà, après t'as les parents derrière. C'est ça aussi le souci. Il faut pas oublier que les parents maintenant ne sont plus tellement du côté des profs. Et c'est ça qui est dommage. Ah ben voilà, ben on parlait de la planète d'origine des blagues. Et ben voilà, Orkson.